Arrête, Flop! J'arrive, Bing. Coco! Bonjour, Bing. Bonjour, Charlie. Bonjour, Bing. Bonjour, Pando. Coucou, Bing. Oh, vous êtes impatients. Oh, Bing. Ça va, Bing? Oui, oui, il va bien. Achoum. Au coin de la rue, tout près d'ici, Bing a des projets super aujourd'hui. Est-ce que c'est l'heure d'aller à la maison de Sula, Flop? Oui, allons-y. Sula et moi, nous allons jouer. Mm-hmm. Et Amma a dit qu'elle allait me faire un bagel aux carottes spécial. Voilà pourquoi tu es tout excitée. Oui. Hey, Chi, ton petit nez m'a l'air de couler, Bing. Allez, Flop, on y va. J'adore les bagels d'Ava. Et c'est aux carottes, c'est vraiment mes préférés. Hey, Chi, est-ce que ça va, Bing? Oui, allez, on va chez Sula. D'accord. J'ai trop envie. Oh. 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 Il fait un froid de canard dehors. Il faut mettre un manteau, Bing. D'accord. Et après, on peut aller chez Sula pour jouer et manger mon bagel aux carottes? Bien sûr. Achoum. Hey, Ti, tu veux un mouchoir? Non. Je crois que tu as besoin d'un mouchoir, Bing. Mmh. Voilà. C'est fini. Tiens. On y va. Achoum. Hey, Ti. Achoum. Hey, Ti. Achoum. Oh, hey, Ti. Tiens. Oh, Bing, tu es tout chaud. Je crois que tu ne vas pas très bien. Si, je vais très bien. Mais tu as le nez tout coulant. Non, il coule pas, mon nez. Allez, on va maintenant chez Sula, Flop. D'abord, on va attraper tous ces petits microbes. Achou. Hey, Chi. Achou. Hey, Chi. Achou. Hey, Chi. Et maintenant, on peut aller chez Sula, Flop? Tu risques de donner tes microbes à Sula et elle va attraper ton rhume. Mmh. On ira un autre jour. Non, je veux vraiment voir Sula et manger les bagels à la carotte d'Ama. Oh, je suis désolée, Bing. Mais aujourd'hui, il faut que tu restes bien au chaud à la maison. Mmh. Attre. Eti. Allez, viens. Bien au chaud, l'escargot. Merci. De rien. Oh, pitié. Je vais appeler Amma et Sula et leur dire qu'on ne peut pas venir. Oh, j'avais trop envie de manger mon bagel aux carottes. Allô? Bonjour, Amma. Bonjour, c'est Flop. Bonjour, Flop. On ne va pas pouvoir venir aujourd'hui. Oh. Bing a pris froid. Non, c'est pas vrai. Hey-ti. Pauvre Bing. Oui, mais on se verra bientôt. D'accord. À plus. Au revoir, Flop. Au revoir. Amma et Sula disent qu'elles veulent te revoir très vite. Mais moi, je voulais vraiment aller chez Sula aujourd'hui. Hey-ti. Oh, ça c'est mieux. On a attrapé ces microbes. Tu peux en attraper tout seul? Achou. Hey-ti. Ah, celui-là, tu l'as eu. Et si tu lisais ton livre Hoppity Whoosh pendant que je te prépare du miel et du citron bien chaud? Ça va te faire du bien. Hey-ti. Du miel et du citron. C'est bon? C'est quoi ça? Hmm. J'arrête pas d'entendre ce bruit, Flop. Oh! Hey, c'est moi! Sula! C'est Sula, Flop! Oui! Coucou, Bing! Bonjour, Sula! Bonjour, Sula! Oh. Et Amma! Coucou! Est-ce qu'il y a un lapin plein de microbes ici? Oui! Moi, je suis plein de
Livraison spéciale pour t'aider à chasser ces vilains microbes. C'est pour toi, Bing. Oh. Achou. Hey-chi. Qu'est-ce que c'est? C'est pour que tu ailles mieux, Bing. Oh, mon bagel aux carottes. Merci, Ama. Merci, Sula. Vous venez jouer avec moi? Non, merci, Bing. Mais on n'aime pas trop les petits nez qui font des bulles. Les petits nez qui font des bulles. Achou. Hey-chi. Viens jouer chez nous une autre fois. Ne fais plus de bulles, petit nez, pour que Bing puisse venir jouer. Achou. Hey-chi. Allez, Sula, on rentre avant que ces microbes ne nous attrapent. Oh, au revoir, Bing. Au revoir, Bing. Au revoir. On se verra quand je serai guérie. Au revoir, Sula. Au revoir, Amma. Au revoir. Au revoir. un bagel aux carottes. Sula m'a donné mon bagel, mais je vais pas donner mes microbes, Flop. C'est très bien, mon petit Bing. Coucou, je voulais aller jouer chez Sula. Mais mon nez arrêtait pas de faire un chou. Et c'était tout vert et gluant. Flop a dit que je pouvais pas sortir parce que j'allais donner mes microbes à Sula. Et j'étais triste. Alors Flop m'a mis bien au chaud. Et puis Sula et Amma m'ont amené mon bagel aux carottes. Et c'était super trop bon. Je pourrais jouer avec Sula quand je serai guérie. Éternuer, c'est un truc de Bing. Achou. Dire au revoir. Au coin de la rue, tout près d'ici, Bing et Sula jouent aujourd'hui. Oh, c'est sûrement Amma. Elle vient te chercher, Sula. Tu partes, Sula. Je veux pas partir, Bing. On va se cacher. Ouais. Bonjour, Amma. Bonjour. Sula est prête à rentrer? Eh bien... Oh, qu'est-ce que tu as fait de ces deux petits singes? Oh, ils étaient juste là. Une chaussure qui brille de Sula. Ils doivent pas être bien loin. Trouvé. Regarde dans le placard. C'est dommage qu'ils soient pas là. J'avais justement préparé les spaghettis curry fastoche bouloche préférés de Sula. Oh. Tant pis, je vais devoir tout manger toute seule. J'adore les spaghettis. Curry fastoche bouloche. Oh, Sula. Viens un peu ici. Oh, oh, Bing. Petit coquin. Levez la main si vous vous êtes bien amusé aujourd'hui. Et... gardez la main en l'air pour vous dire au revoir. Oh. Au revoir. Au revoir. Mais j'ai pas envie de dire au revoir. J'ai pas envie de dire au revoir. D'accord. On vous laisse encore un peu de temps. Ouais. Pour ranger tous ensemble. Oh. D'accord. Je fais le compte à rebours pendant qu'on range. Et quand j'arriverai à zéro, ce sera l'heure de rentrer à la maison. Prêt? 10 patates sautées. 9 patates sautées. Tiens. D'accord. 8 patates sautées. 7 Oui. 7 patates sautées. Et voilà. Ah, mes chaussures. Ben, elle est où l'autre? 8 patates sautées. J'ai trouvé. 5 patates sautées. Je peux pas partir sans mes chaussures qui brillent, moi. 4 patates sautées. Oh, on a qu'à les cacher. Oui. Comme ça, on n'aura jamais besoin de se dire au revoir. Oui, jamais se dire au revoir. Oui. 3 patates sautées, je compte toujours. 2 patates sautées.
patates sautées. Et zéro. Où sont les chaussures de Soulin? Est-ce qu'elles sont dans le placard? Non. Si j'étais une chaussure de Soulin, je me serais cachée dans le panier à linge. Soulin. Bon, où est la deuxième? Bing, tu n'as pas caché la chaussure de Soulin dans les toilettes, n'est-ce pas? Allez, debout. Oh là là. Bing. Oh oh. Mon petit Bing, tu connais la règle. Oh. Si ce n'est ni pipi, ni popo, ni papier toilette, ça va pas dans la cuvette. Berk. Bon, je vais laver cette pauvre chaussure. Mais je voulais pas que Soulin rentre chez elle. Alors j'ai caché sa chaussure là. Non, elle est toute mouillée, Bing. Allez, viens, Soulin. On va trouver autre chose à te mettre. Bing a tout mouillé ma chaussure. Elle va sécher, Soulin. Bing, qu'est-ce que tu as fait pour mouiller sa chaussure? Je l'ai cachée dans les toilettes, mais je voulais pas la mouiller. Tu l'as cachée dans les toilettes? Je voulais pas lui dire au revoir. Maintenant, on doit se dire au revoir et en plus, on est fâchés. Oh, vous êtes fâchés. Bing, tu crois que tu pourrais faire quelque chose pour arranger ça? Pardon d'avoir mouillé ta chaussure, Soulin. Tu peux mettre ma botte jaune à la place. Mes bottes jaunes sont jamais mouillées. Oh, oh, c'est très gentil, Bing. Soulin, tu veux l'essayer? D'accord. Je vais rentrer chez moi comme ça. C'est rigolo. Tu peux venir chercher ta chaussure quand elle sera sèche, Soulin. Et toi, tu pourras reprendre ta botte quand tu viendras chez moi. Est-ce que je peux venir jouer demain? Bien sûr que tu peux venir jouer chez nous demain. Ouais. Voilà. Au revoir, Bing. Au revoir, Flop. Au revoir, Amma. Au revoir, Soulin. Au revoir, Soulin. Au revoir, Bing. Au revoir. 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 Soulin est venu jouer et on voulait pas se dire au revoir. Donc on a caché ses chaussures qui brillent. J'en ai caché une dans les toilettes et elle est sortie toute mouillée. Berk. Soulin a dit que c'était pas drôle et que maintenant elle était fâchée. Alors, je lui ai prêté ma botte jaune. Ensuite, on s'est dit au revoir. Au revoir! Au revoir! Si c'est ni pipi, ni popo, ni papier toilette, on le met pas dans la cuvette. Dire au revoir, c'est un truc de Bing. Au revoir! Au revoir. Au coin de la rue, tout près d'ici, qu'a donc trouvé Bing aujourd'hui? Oh! Oh! Il y a un truc sur mes feutres, Flop! Ah! Tu as trouvé un ballon! Oh! Mais non, Flop! C'est pas un ballon! Les ballons, c'est gros! Bien sûr, mais les ballons sont d'abord petits. Il leur faut du pour qu'ils deviennent plus gros. Flop, ça marche pas! Attends. Attends, attends, il faut encore... Oh, hey! Un nœud. Oups. Et voilà. Où il est passé, Flop? Ah, ballon! Tu peux le faire grossir pour que je le garde? Bien sûr. Et si tu me laisses le temps de faire un nœud, il va rester gros.
Il dit bonjour. Si on lui faisait un visage. Oh, c'est un très joli sourire. Coucou. Coucou, ballon. Il me parle, Flop. Doucement, Bing, sinon il risque de faire... Mais ballon aime bien ça. Oh, pouf, pouf. Doink. Doink, 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 doink. Doucement, Bing. Souviens-toi, il risque de faire boum. Hop. Hop. Je peux le faire aussi. Il faut être très hop, délicat, hop, avec les ballons. Hop. 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 Oh, oh, oh. Oh. Hop. Boing, hop. Boing, boing. Hop. Doucement, Bing. Il risque de faire boum. Oh. Où est Ballon? Peut-être qu'il n'a pas aimé les coups de pied, Bing. Oh. 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 Reviens, Ballon. Plus de coups de pied. Coucou, Ballon. Regarde, Flop. J'ai un gros derrière. En effet. Oh. Ballon risque de ne pas aimer sa bine. Mais si, il aime. Bing. Oh. Est-ce que ça va, Bing? Oh, c'était vraiment fort. Où est Ballon? Pendant que tu rebondissais, Ballon a fait boum. Oh. Tiens. C'est pas Ballon. Tu peux le refaire grossir? Je ne peux pas, Bing. Il a fait boum. Mais je veux qu'il revienne. Oh, il ne peut pas revenir, Bing. Il a fait boum. Et quand les ballons font boum, on a beau souffler de toutes ses forces, on ne peut plus l'air gonfler. Je peux le garder? Bien sûr. Où pourrait-on le mettre pour être sûr que tu ne l'oublies pas? Ma boîte au revoir. Bonne idée, mon petit Bing. Allons chercher ta boîte au revoir. T'inquiète pas, Ballon. Tu peux habiter dans la boîte au revoir. Et voilà. Oh. Regarde tous les trucs à qui j'ai dit au revoir. Ça, c'est ma voiture noire. Elle a perdu toutes ses roues. Niaou. Au revoir, voiture. Ça, c'est la salade sauteuse d'Opiti. Mais elle saute plus maintenant. Au revoir, salade. Et ça, c'est mon feutre pingouin de toutes les couleurs. Mais il n'a plus toutes les couleurs maintenant. Au revoir, feutre pingouin. Ah, Ballon sera très bien ici. Et je pourrai le voir quand je voudrais. En effet. Au revoir, Ballon. Au revoir, Ballon. Si on dessinait Ballon, pour que tu te souviennes de lui avant qu'il fasse boum. Oui, je vais le dessiner ici. Souviens-toi de son visage. C'est un très joli sourire. Regarde, Flop, j'ai fait voiture noire, salade d'Opiti et feutre pingouin. Et là, c'est Ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'envole. Oh, très haut, très haut. Prêt à ranger la boîte au revoir, Bing? Oui. C'est très bien, mon petit Bing. J'ai trouvé un ballon. Et Flop l'a gonflé très fort. Et Ballon était doué à plein de jeux. Après, j'ai fait boum, boum. Mais il n'a pas aimé. Et il a fait... Quand les ballons font boum, ils peuvent pas revenir, même si on souffle dedans. Alors Ballon est allé vivre dans la boîte au revoir.
Si tu casses un truc que tu aimes, tu peux le mettre dans la boîte au revoir pour ne pas le perdre. Et pour que tu ne l'oublies jamais. La boîte au revoir, c'est un truc de Bing. Au revoir. Quelque chose pour Soula. Au coin de la rue, tout près d'ici, Bing prépare quelque chose pour Soula aujourd'hui. Ça, c'est pour toi, Bing. Pour moi? C'est de la part de Soula? Ouvrons-la pour voir. Oh! Elle vient de Soula! Oui, elle vient de Soula. C'est écrit pour Bing. Je t'aime, Soula. Je l'adore! Je peux lui en faire une? Bien sûr. Et tu pourras la lui donner quand tu la verras plus tard. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah, du papier. Rose. Soula aime le rose. Des crayons. Oh, et des décorations. Et n'oublie pas la colle pour tout coller ensemble. Hop. Des crayons. Alors, qu'est-ce que tu dessines? Moi. Et Soula. Et une baguette magique de fée pour Soula, parce qu'elle adore les fées. Voilà. Une baguette magique de fée. Soula va adorer ça. Et ensuite? Oh, tu brilles. Soula adore tout ce qui brille. Elle en met toujours sur ses dessins. Très bonne idée. Voilà la colle. Maintenant le brillant. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Et voilà. Soula va adorer ça. En effet. Bon, on a un dessin et du brillant. Quoi d'autre? Oh, des pâtes! Soula adore les pâtes. Bien sûr. Est-ce que Soula préfère les pâtes papillons ou les pâtes spirales? Les papillons. Soula adore les papillons. Merci, Flop. Toc. Toc. Plus de colle. Doucement, Bing. Pas besoin de beaucoup de colle pour que ça tienne. Oh, la colle n'a pas encore séché, Bing. Oh, il y a tout qui glisse, Flop. On va le garder à plat en attendant que ça sèche. Voilà. Essaye encore. Et alors les pattes vont coller? Oui, bien sûr. Top, top. Bougez pas les pattes. Soula va adorer ça. Et quoi d'autre? Oh, est-ce que Soula aime les plumes? Oui, des plumes. Il y en a une jaune comme les canards. Oui, il y en a une jaune. Plus de colle. Boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Des plumes pour moi. Des plumes pour Soula. Des plumes, des plumes, des plumes. Boum. Fini. Oh, il est très beau ton dessin, Bing. Tu as terminé? Oui, on peut le donner à Soula maintenant? Est-ce que ça a séché? Oui, c'est bien sec. En avant. Attends un peu, Flop. On a oublié de mettre une jolie pierre sur la baguette magique de Soula. En effet. Il faut une pierre sur la baguette de Soula. On va en trouver une. Oh, celle-là. Soula va adorer celle-là. Oh. La colle sort pas, Flop. On a besoin de plus de colle. Et voilà. Oh, plus de colle. Merci, Flop. La colle veut pas sortir, Flop. Tu veux que j'essaye? Non, je peux le faire tout seul. Oh. Oh non. Il y a de la colle partout. Oh là là, la colle est vraiment partout. Oh,
Flop, c'est tout moche maintenant. Ce n'est pas si moche, Bing. Oh. C'est juste collant. Oh. Si tu appuies trop fort sur la colle, c'est ce qui arrive. Ce n'est rien. Sula va pas aimer maintenant. Peut-être que ce n'est pas encore terminé, Bing. Est-ce qu'il y a autre chose que Sula aime et qu'on pourrait mettre sur la colle? Elle aime bien les paillettes. Oui, on peut mettre des paillettes. D'accord. Et voilà, des paillettes. Oh, attention, Bing. Oh, oh, des paillettes. C'est tout bon? Oui. Oh. Regarde, Flop. Oh, c'est magnifique. Sula va adorer ça. C'est très bien, mon petit Bing. Allez, on va le donner à Sula maintenant. D'accord. Fait une carte et j'en ai fait une aussi pour elle. J'ai collé des pâtes, du brillant, une pierre et des plumes dessus. Sula adore tout ça. Mais après, la colle a fait et c'était tout moche et j'étais triste. Alors, j'ai mis plein de paillettes sur la colle et c'est devenu encore plus beau. Si tu penses que ton dessin est tout moche, c'est peut-être qu'il n'est pas encore fini. Faire une carte, c'est un truc de Bing. Et je l'adore. Cache-cache. Au coin de la rue, tout près d'ici, Bing veut jouer à cache-cache aujourd'hui. Alors, qui a envie de faire un jeu? Oh, est-ce qu'on peut jouer à cache-cache, Ama? Oh oui, et c'est moi qui compte. Et nous, on se cache. D'accord, d'accord. Un peu de calme, s'il vous plaît. Oui, Sula. Chouchou, j'ai besoin de faire pipi. Pas de problème, on y va. Oh. Ah, 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 ah. On ne joue pas avant d'avoir fait le train des toilettes. J'ai pas besoin de faire le train des toilettes, Ama. Tu es sûre? Sûre? D'accord, pas de problème, Bing. Viens, Pando, montez tous dans le train des toilettes. Dès le petit train s'arrête, je dois aller aux toilettes. Bing, tu es sûr que tu n'as pas besoin d'y aller? Bon, d'accord. J'ai essayé, mais mon zizi ne voulait pas faire pipi. C'est bien d'avoir essayé, Pando. J'ai fini. Alors, qui est prêt à jouer à cache-cache? Moi, Ama, moi, je peux compter en premier, s'il te plaît. Moi aussi, je veux compter. Coco a demandé la première. Oh. C'est elle qui va compter jusqu'à 10. Et ensuite, je vais tous vous trouver. Et souvenez-vous, le dernier à être trouvé sera celui qui compte ensuite. Oh, d'accord. 1, 2, 3, 4. J'étais là 5, en premier, Pando. 6. Moi aussi. 7. 8. 9. J'ai envie de faire pipi maintenant. Oh, Pando! On arrête le jeu pour le train des toilettes. Oui. Tu es sûre que tu ne veux pas aller aux toilettes, Bing? Non, je veux jouer à cache-cache et c'est moi qui vais compter. Regarde, Ama, j'ai trouvé une culotte. Quelqu'un a perdu sa culotte. Où est-ce qu'on met les objets perdus pour qu'on les retrouve facilement? Dans le panier des objets trouvés! T'inquiète pas, petite culotte perdue. Quelqu'un va te retrouver. J'ai terminé, Ama. On peut jouer maintenant? D'accord. Vous êtes prêts? Et c'est... parti! 1, 2... Bing! 3... Si tu te cachais ici... dans le panier des objets trouvés. 5, 6. Oh, va-t'en. J'étais là en premier, Pando. Non, c'était moi le premier. J'ai cru qu'on voulait se cacher, pas s'asseoir l'un sur l'autre. Viens te cacher ici avec moi, Pando. D'accord. Oh, chou-chou. Bing, tu veux prendre le train des toilettes? D'accord, allons-y. Non, je peux pas. Coco va me voir et j'aurai pas gagné. Chut.
Bing, tu sais qu'on peut toujours arrêter le jeu. Tu es sûre de pouvoir attendre? Oui, je veux compter la prochaine fois. 8. Bon, d'accord. 9. 10. Oh. Prêt ou pas, je suis là. Soula, trouvé. Maintenant, je vais trouver les autres. Coco va te trouver, Bing. Vous avez entendu? Est-ce que ce bruit venait du canapé ou du panier? Le panier. Pando, trouvé. Non, j'ai dit le panier. Il en reste plus qu'un à trouver. Où est notre petit lapin? Je vais te trouver, Bing. Trouvé. C'est moi qui compte. C'est moi qui compte. Bien joué, Bing. Tu t'es retenu. Maintenant, allons-y vite, 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 vite. Ouais, vite. C'est toi qui compte maintenant. Encore une partie. Bing doit prendre le train des toilettes d'abord. Oh. Viens. Mama, Bing a fait pipi par terre. Oh, ne t'en fais pas, Bing. Ce n'est rien. Fais voir. Désolée, Mama. J'ai essayé de me retenir. Oh, tu as essayé de te retenir, mais tu n'as pas pu. C'est pas grave, Bing. Que tous ceux qui, des fois, n'arrivent pas à se retenir, lèvent la main. Moi. Depuis que je suis grande, ça n'arrive plus. Bien. Et maintenant, Bing, tu feras quoi la prochaine fois que tu dois faire pipi pendant le jeu? Chou-chou. On arrête le jeu pour le petit train des toilettes. C'est très bien, mon petit Bing. Bon, où est-ce qu'on va trouver des vêtements secs? Moi, je sais, dans le panier des objets trouvés. Bing, regarde. Oh, une culotte. Merci, Soula. Une culotte. Ah, c'est parfait, une culotte sèche. Culotte. Allez, Pando. Alors j'ai pas fait le train des toilettes avec les autres. Et Coco m'a trouvé en dernier. Et c'était donc à moi de compter. Mais là, j'ai fait pipi dans ma salopette. Et c'était pas rigolo. Mais c'était pas grave, parce qu'Ama a nettoyé. Et Soula a trouvé une culotte sèche. Faut faire pipi avant de jouer. Ou arrêter le jeu pour y aller. Le petit train des toilettes, c'est un truc de Bing. Tchou-tchou. Les histoires du soir. Au coin de la rue, tout près d'ici, Bing veut lire une histoire aujourd'hui. Flop, tu peux me donner mon livre à Piti, s'il te plaît? Le bain, c'est un peu humide pour un livre, même pour un livre au Piti Bouche. S'il te plaît, j'ai vraiment envie de lire une histoire. D'accord. Les livres n'aiment pas le bain, donc je vais te lire pour toi. Hopiti Whoosh est le gardien de la lune. Ouais! Hopiti Whoosh! Hopiti Whoosh ronflait dans son hamac lorsqu'il entendit... Pleurer! Il entendit pleurer! Ouah, ouah, ouah! Hopiti bâilla. Hopiti aime dormir. Qui pleure ainsi? Se demanda Hopiti. Qui a besoin de mon aide? Il pense que c'est l'étoile qui pleure. Mmh. Il faut qu'il vole jusqu'à l'étoile. Oui, c'est vrai. Tu as failli mouiller Hopiti. Alors, Hopiti sortit de son hamac. Il s'étira et cria... Hopiti! Ça éclabousse beaucoup par ici et les livres n'aiment pas les bains, Bing. Oh. Allez, on sort avant qu'Hopiti ne vole jusqu'à l'étoile. Oh, c'est ma partie préférée. Il va faire wouche et il fait... Hop, hop, hop.
Hop Piti a besoin de sa cape pour faire whoosh. Oh! Hop Piti, whoosh! Allez, on va te sécher. Et voilà. Et maintenant, Hop Piti est prêt à faire whoosh jusqu'à l'étoile. Et ensuite? Je peux tenir le livre, s'il te plaît? Je suis pas mouillée. D'accord. Hop Piti fait whoosh jusqu'à l'étoile. Mais l'étoile était toute contente. Ah, oh! Donc l'étoile ne pleurait pas. Voyons un peu qui pleurait. On regarde ce qui se passe ensuite. Hop Piti continuait d'entendre les... Flop. Et il comprit que c'était la lune qui pleurait. Faut qu'il fasse whoosh jusqu'à la lune. Mais Hop Piti a besoin de quelque chose avant, hein? Oui, il faut sa combinaison spatiale pour faire whoosh jusqu'à la lune. Les oreilles. Et ensuite? Hop Piti n'arrive pas jusqu'à la lune parce qu'il se trouve coincé dans un nuage de pluie. Pauvre Hop Piti. Les bras. Tout va bien, Flop. Il fait whoosh comme ça. Whoosh. Ah. Oups. Le nuage mouilla tellement sa cape que Hop Piti ne pouvait plus faire whoosh jusqu'à la lune. Regarde, Flop. Il est tout mouillé. Mais alors que Hop Piti tombait des nuages... Un vent chaud souffla et sécha Hop Piti. Oui, le vent fait... Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il est où, mon livre? Oh. Il est là, mon livre. Oh là là. Ton livre est tout mouillé. Il y a de l'eau partout sur mon livre. Oh, les livres n'aiment vraiment pas les bains. Oh, on peut quand même le lire. Pas ce soir, Bing. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment très, très mouillé. Oh. Les pages sont toutes collées entre elles. Il faut attendre que le livre sèche. Oui, mais mon histoire de Hop Piti, alors? Ah, on peut toujours la raconter, Bing. On n'a pas besoin de livres. Allez, et si on faisait wouh jusqu'à ta chambre pour raconter notre propre histoire de Hop Piti? D'accord. Allez, viens. Wouh. Tu te souviens de ce que faisait Hop Piti dans l'histoire, Bing? Hop Piti faisait wouh jusqu'à la lune. En effet. Et ensuite? Il rencontre le gardien de la lune. Et le gardien de la lune, il est triste. Et pourquoi le gardien de la lune est triste? Parce qu'il... il n'arrive pas à s'endormir. En effet. Alors Hop Piti lui chante une jolie berceuse. Doum, doum, doum. Et le gardien de la lune doum, doum, s'endormit. Flop. Problème réglé, dit Hop Piti whoosh, et il fit whoosh jusqu'à sa maison. Whoosh. Puis, il se blottit dans son hamac douillet et dit... Bonne nuit. C'est une très belle histoire. Bonne nuit, Bing. Piti whoosh et le gardien de la lune. Et j'ai mis ma combinaison spatiale pour faire whoosh comme un Piti. Mais après, mon livre a fait plouf dans la baignoire. Et les livres n'aiment pas les bains. Mais c'est pas grave, parce que si tu connais l'histoire dans ta tête, tu peux quand même la raconter, même si le livre est tout mouillé. Raconter des histoires du soir, chut, c'est un truc de Bing. Bonne nuit, Flop. Les cubes. Au coin de la rue, tout près d'ici,
Bing construit une tour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu construis, Bing? Une tour aussi grande que moi. Aussi grande que toi? Dans ce cas, il te faut plus de cubes. Bonjour, Flop. Bonjour, Coco. Coucou, Charlie. J'ai des nouveaux feutres dans mon sac et ils sont tout brillants. J'ai toutes les couleurs et celui que je préfère, c'est le violet. Tu veux les voir? Oh, qu'est-ce que c'est, Bing? J'ai des cubes. Oh, je m'en souviens très bien. C'était mes cubes quand j'étais petite. Oh, je peux jouer? Mais j'ai besoin de ce cube pour ma tour. Oh. Il n'y a pas assez de cubes pour vous deux? Tiens, Bing, c'est pour ta tour. Merci, Flop. Je vais faire un arc-en-ciel et je vais commencer par un joli violet. Le violet, c'est ma couleur préférée. Elle est presque plus grande que toi, Flop. Est-ce qu'elle est presque aussi grande que moi? Pas encore. Il te faut plus de cubes. Puis bleu foncé. Le violet et le bleu foncé. Bleu ciel, vert et jaune doré. Ces couleurs sont tellement belles, réunies dans l'arc-en-ciel. Tiens. Hop, 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 hop. Ta tour commence à aller de travers. Elle est aussi grande que moi maintenant? Presque aussi grande, Bing. Bleu, vert, jaune. Ne le mâchouille pas, Charlie. Les cubes, c'est pour construire, pas pour manger. Coucou, c'est moi. C'est pas encore le tour du rouge. Le rouge vif est tout au bout de mon arc-en-ciel. Et je n'ai pas encore mis le orange. Orange vif et rouge rubis, que l'arc-en-ciel est joli. Les couleurs se suivent ainsi, comme l'arc-en-ciel suit la pluie. Rouge, orange, jaune, vert, bleu ciel, bleu foncé, violet. Et maintenant, Flop. Encore un dernier cube et elle sera aussi grande que toi, Bing. Un dernier cube. Il ne me manque plus que le rouge. Oh oh, mais où est passé le rouge? C'est Charlie qui l'a. Ne le mâchouille pas, Charlie. Ah, Squeak. Donne, Charlie. Tiens, toi tu as Squeak. J'ai besoin d'un rouge pour mon arc-en-ciel. Et moi, j'en ai besoin pour ma tour. Il ne veut pas le lâcher. Il ne voudra jamais le lâcher. Sauf si tu arrives à le faire rire. Regarde-moi, Charlie. Les couleurs se suivent ainsi, comme l'arc-en-ciel suit la pluie. Ha, ça va le faire rire. Charlie. Coucou. Oh. Charlie aime jouer à faire coucou. Mais si tu veux récupérer ton cube, il nous faut un truc qu'il fasse vraiment rire. Je sais, il y a quelque chose qui fait toujours rire, Charlie. Regarde, Charlie. Charlie, regarde. Oh là là. Oh, ma tour, elle était même pas finie. Elle était presque aussi grande que moi. Et t'as tout cassé. Mais ça a marché. On a le cube. Et mon arc-en-ciel est fini. Oh, hey, oh. Bing, t'as cassé pas ma tour. Tu as défait mon arc-en-ciel. Arrête, Coco. Maintenant, je vais devoir tout recommencer. Je croyais que ces cubes étaient faits pour jouer, pas pour se bagarrer. Moi, je faisais un arc-en-ciel. Oui, et moi, je construisais une tour. En effet. Et si on faisait les deux? Mais on peut pas faire un arc-en-ciel et une tour, Flop. Y a pas assez de cubes. Tu es sûr? Et si on construisait une nouvelle tour ensemble? Oh, on pourrait faire une tour arc-en-ciel. Bonne idée, Coco. Regarde, Bing. On met le violet ici. Et le bleu foncé doit se mettre là. Et maintenant, ton cube, Bing. Mais c'est pas ma tour, Flop. Non, pas encore. Et le bleu ciel, comme dans l'arc-en-ciel. Oh, je sais, maintenant le vert. Ensuite le jaune. Le jaune. Le orange. L'orange. Un dernier cube. Et rouge.
voilà, c'est un arc-en-ciel parfait. Regarde, ça fait rouge, orange, jaune, vert, bleu ciel, bleu foncé et violet. Regarde, Flop, notre tour est aussi grande que moi. C'est très bien, mon petit Bing. C'est une très jolie tour arc-en-ciel. Oh, oh. Charlie veut qu'on lui rende le cube rouge. Viens, Charlie, on va encore le faire. Et ça, c'était très grand. Mais Coco l'a fait tomber et j'étais en colère. Brrr. Alors, j'ai cassé l'arc-en-ciel de Coco. Et Coco était aussi en colère. Alors, on a fait une tour arc-en-ciel. On l'a fait tomber ensemble. C'était trop bien. J'aimais vraiment bien ma tour, mais c'était plus rigolo de faire une tour arc-en-ciel avec Coco. Jouer ensemble, c'est un truc de Bing. Allez, encore une fois! Les statues musicales. Au coin de la rue, tout près d'ici, Bing joue aux statues musicales aujourd'hui. Alors, qui a envie de faire un jeu? Moi, moi, moi! Choisir le jeu, s'il te plaît. La prochaine fois, Soula. Aujourd'hui, c'est au tour de Bing. Bing, choisis cache-cache. C'est moi qui compte. Le jeu des statues musicales. D'accord. Oui, je suis trop forte pour les statues musicales. Oui. Oh oui. D'accord, les statues musicales. Vous vous souvenez comment on y joue? On danse avec la musique. Et quand la musique s'arrête, on reste immobile comme une statue. Ouais. Et faut pas bouger, même un tout petit peu. Et si on bouge quand même? On a perdu. Et on regarde si les autres bougent. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule statue. Et celui qui reste a gagné. Oui, c'est moi. Je vais pas bouger du tout et c'est moi qui vais gagner. C'est possible, Bing. Allez, on essaie et on verra bien. La musique est prête, Flop? Flop! On peut pas danser avec ça, Flop. Je vois. La musique s'est arrêtée. Tu dois plus bouger, sinon t'as perdu. Oh. Ah, est-ce qu'on peut recommencer? Très bonne idée. Et souviens-toi, concentration et quand la musique s'arrête, on bouge plus. Pando, la musique a commencé. Danse. Ouais, ouais. Attention, faut plus bouger. Et je regarde si quelqu'un bouge. Ah, oh, perdu, Soula. Mais maintenant, tu vas m'aider à regarder qui bouge. Charlie m'a fait rire. Il a perdu aussi. Charlie peut pas rester immobile. Tu as raison, Bing. Oh, j'adore cette musique. Quelqu'un bouge. T'as bougé, Coco. T'as perdu. Oh, ce n'est pas facile sur un pied. Maintenant, toi aussi, tu dois regarder qui bouge. Oh. Il reste plus que Bing et Pando. Chikaboum, 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 chikaboum.
dirait qu'ils vont pas bouger. Oh, ils sont très forts à ce jeu. En avant la musique, Flop. Bravo, tu es le dernier à ne pas bouger. Oh, wouhou. Bien joué, tout le monde. Bravo. Bravo. Je sais pas. Bravo. Je voulais que ce soit moi le dernier. C'est moi qui ai choisi le jeu. Oui. Et tout le monde s'est amusé. Et j'étais concentrée. En effet, c'est bien d'être resté aussi concentré. Oui, mais je voulais être immobile comme une statue pour pouvoir gagner. Peut-être que tu gagneras la prochaine fois. Et si on refaisait une partie? D'accord. Coucou, Charlie. Charlie veut jouer avec nous. En effet. Bing, viens danser. Wouhou, cette fois ce sera moi la dernière statue. Ou peut-être que ce sera moi. Je vais pas bouger du tout. On va voir. La musique est prête, Flop? Oui. Est-ce que je peux le faire? Bien sûr. Quand la musique s'arrête, faut plus bouger. Je suis trop fort pour rester immobile comme une statue. Mais à la fin, j'ai bougé et j'ai pas gagné. Mais c'est moi qui avais choisi le jeu. Alors j'avais plus envie de jouer. Mais tous les autres ont continué, même Charlie. Et c'était plus rigolo que de rester tout seul. Alors j'ai recommencé à jouer. Ta-ta-da-da-ta-da-ta. Wouh! C'est pas parce qu'on choisit le jeu qu'on va toujours gagner. Les statues musicales, c'est un truc de Bing. Allez, on recommence. Les canards. Au coin de la rue, tout près d'ici, Bing donne à manger aux canards aujourd'hui. Coin, coin, canard. Coin, coin, coin. Coin, coin, canard. Coin, coin, coin. Pourquoi il s'envole pas, Flop? Parce que la statue est très douée pour rester immobile, comme une statue. Oh, comme une statue. On va donner à manger au canard? Ouais! Quoi, quoi, canard? Quoi, quoi, quoi? Quoi, quoi, canard? Quoi, quoi, quoi? Oh, ils sont où, les canards? Je sais, Bing. Donne-leur à manger. Juste un tout petit peu, pour un tout petit bec, Bing. Bing, regarde, il y en a. Où ça? Là. Oh. Ouh, je le vois pas. Canard. Canard. Où ils sont passés? Chut, comme une statue. Oh, comme une statue. Bing. Comme une statue. Comme une statue. Ah, un canard. Bing. Flop, pourquoi le canard il vient pas vers moi? Parce que tu fais trop de bruit, Bing. Oh. Et il a peur quand tu fais. Un petit canard comme moi, il a peur quand ça crie et quand ça bouge.
Bon, si on essayait encore, mais cette fois, pas de bruit. Et on reste immobile comme une statue. Comme une statue. Et en effet. Oh, regarde Soula. Oh, Soula, tous les canards. Essaye de leur donner à manger. Juste un tout petit peu. Ça devrait aller. Et voilà. Oh. Et encore un peu. C'est poufou. Miam, miam. Il adore ça. Oh, est-ce que je lui donne plus à manger? Oui, un tout petit peu plus. Et cette fois, souviens-toi, comme une statue et chut. Oh là là. C'est pas juste. Souviens-toi, Bing. Immobile comme une statue et chut. D'accord. Je vais lui en donner un peu plus. Oula. Peut-être pas autant. Oh. Ça, je crois que c'est trop. Mais il adore ça. Regarde, Flop. Ils adorent tous ça. C'est fini, Bing. Tu leur as tout donné. Oh. Oh. Soula, on a encore. Soula, tu me donnes un peu de ta nourriture. Regarde, c'est un énorme canard. Bing, c'est pas un canard, c'est une oie. Regarde, Flop, elle mange tout. En effet. C'est toi pense que toute la nourriture est pour elle. Méchant toi. Va-t'en. Flop. Paparaparapapam. Paparaparampam. Pamparamparapapam. Pam, pam, param, pam. Elle est partie. J'aime pas cette grosse noix. Elle a couru derrière nous, elle faisait... En effet. Et en plus, elle a fait peur à tous les canards. Tu es sûre? Comme une statue. Viens là, petit canard. Juste un tout petit peu. Oh, comme une statue. Ça chatouille. Qu'il est mignon. C'est très bien, mon petit Bing. Au revoir. On est allé donner à manger aux canards, mais ils allaient tous vers Soula. Alors Flop m'a dit, reste immobile comme une statue, sans faire de bruit. Chut. Et les canards sont venus vers moi aussi. Mais ensuite, une grosse noix est arrivée et elle a fait... Et ça faisait peur. Alors Flop a fait... Pam. Et la grosse noix s'est envolée. Si tu fais pas de bruit et que tu restes immobile comme une statue, les canards vont venir vers toi. Donner à manger aux canards, c'est un truc de Bing. Et ça chatouille. Le parking. Au coin de la rue, tout près d'ici, Bing garde des voitures aujourd'hui. Flop, tu joues avec moi à garer des voitures? Bien sûr. Tu me montres comment on fait? D'abord, tu fais... Ensuite... Et après, tu fais... Ding. Et ensuite... Et puis... Vroom!
tu peux garer la jaune, Flop. Faut commencer ici. Bon, voyons voir. D'abord, c'est... Tu fais bien la voiture, Flop. Ensuite, c'est... Puis... Tchaka-tchaka-tchaka-tchaka-tchaka-ding. Et... La rouge, maintenant. Ne la mâchouille pas, Charlie. Charlie. On dirait que Charlie veut jouer aussi. Il est trop petit. Alors il nous faut un jeu pour Charlie. Oui. Tiens, Charlie, tu peux jouer avec les légumes. La rouge. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Ici et les carottes là. C'est pas une voiture, c'est une carotte. Oup, oup, et maintenant, Bing. Oh, la bleue maintenant. À toi, Flop. D'accord. Charlie, c'est pour les voitures, pas pour les pommes de terre. Charlie essaye de garer sa pomme de terre. C'est pas une voiture, c'est une pomme de terre. Pomme de terre. Regarde, Charlie, les pommes de terre vont là. Plop. C'est bon, Bing? Oui. Ding. Encore. D'accord. Où est ma voiture verte? Celle-ci? Mais non, Flop. Les camions vont pas dans les parkings. Non. En effet. Ah, je l'ai trouvée. Oh! Ah! Charlie! Charlie! Tu casses mon jeu! Oh! Fais-le partir, Flop! Je vais l'emmener là-bas et on va jouer à un jeu pour Charlie. Parfait! D'accord, mais je dois rester avec lui. Très bien, comme ça je peux jouer avec mes voitures et Charlie peut plus m'embêter. D'accord, Bing. Et si tu changes d'avis, tu peux venir jouer avec nous. Moi, je joue à mon jeu et Charlie joue à son jeu. Suis-moi, Charlie. On va là-bas tous les deux. Voilà, Bing. Oh, j'ai retrouvé la pomme de terre. Ah. Plop. Plop. On dirait qu'il aime bien ce jeu.
C'est très bien, mon petit Bing. Coucou. On jouait aux voitures avec Flop. Mais Charlie a fait tomber mon parking et mes voitures ont roulé partout et c'était pas gentil. Alors Flop a joué avec Charlie et moi j'ai joué aux voitures tout seul. C'est pas rigolo tout seul. Alors j'ai rapporté sa pomme de terre à Charlie avec mon camion. Et on a fait plop avec les légumes. C'est rigolo de jouer avec des voitures, mais c'est plus rigolo de jouer ensemble. Jouer ensemble, c'est un truc de Bing. J'adore jouer avec Charlie.